sufrí. Yo humilié, yo maltraité. Mais ça pas doué faire j'en lagué. Faut qu'on rive bien haut, bien loin dans la vie. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mais pas quitter mon, mais fierté ou en papier. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Laisse ça si vous gardez, ouais, ouais, bien. Que je mets un poil l'ouvrir. Ouais, va comprendre, faut bataille pour vivre pour. Si c'est moi si vous parlez quoi. Gardez dans le cœur, ouais, ouais. Si vous voulez lumière, c'est bataille. Son gros bébé. Chérie, je connais comprimé au gros. Il faut prendre au gros. Je connais à bon gros. Et vite. Je connais, j'ai besoin de guérir vite. Excuse-moi. Entrez. Quelle idée. On va aller à la porte. De toute façon, tu connais déjà la réponse. Mami. Ok, ciao. Love you. Oui, chérie. Je suis tout à toi. Mon nom, Marco. C'est oui, je ne vais pas aller là. Ça me tient à toi même. Encore plus bête, je dois voir un spécialiste. Ok, mais pas accompagné. Non, il n'est pas accompagné. Je vais te dire. Mon nom, Marco, pas de bagaille comme ça. Fais les bagailles vous faites pour moi. Vous éduquez. Vous faites mieux ça, mieux aujourd'hui. C'est un devoir pour moi pour me supporter dans l'épreuve ça. Hélène sera avec moi. Elle m'accompagne, je serai de bonne main. Rassure-toi. Il n'y a plus aucun pour moi. Je ne sais pas, elle n'est pas dans sa chambre. Non, mamie. C'est simple, chérie, elle a peut-être été faire du sport. Tu vois, je vais faire mon sport là, moi aussi. Quand elle est là, tu me fais signe. C'est comme ça que tu vois la chose? Il va être mourir, elle n'est pas entrée hier soir et toi tu restes là à me dire peut-être elle était faire du sport. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça, un grand matin. Allô, bonjour. C'est possible de parler à mon UA, s'il vous plaît? Qui le demande? Dimitri. Désolé, elle n'est pas là. Écoutez. Qui est-ce encore? Allô? C'est pas moi, Dimitri. C'est quoi son partenaire? Ou m'a dit pour moi, il n'y a pas là. Il n'y a pas là?
Dès 6h du matin, il a parlé pour m'aider des monde, non? C'est Gilbert, n'est-ce pas? Gilbert Duplan, oui. Vous avez un problème? Ok. Au revoir. C'est comme ça. Laisse-moi les mots, je vais aller à la caille. Moi, je vais aller à la caille. Moi, je vais aller à la caille. Je vais répondre. Et Gilbert, ça m'a essayé. J'espère que je vais aller à la caille. Il est 6h du matin. Mm-hmm. Moïra n'est pas dans sa chambre. Mm-hmm. D'ailleurs, tu sais même pas si elle est en train de dormir ou pas hier soir. Et ça ne te fait rien. Tu trouves que c'est normal? Tu veux quoi, toi? Que je parte comme une folle à sa recherche sans même savoir où elle est? Leïla, je t'ai déjà dit ça. Dans le dossier Moïra, justement, que c'est grand monde qui nomme. Moïra pour un bébé. Il décide de faire bêtise, lui, ça fait gadel. Maintenant, excuse-moi. Attends. Responsabilité, ça, c'est charge ou lui. Il n'y a pas de petit monde, vous voyez l'aller. Pas arrêter de maltraiter le comme ça. Mamie, vous ne rendez pas compte que Moïra est traumatisée? Et tout le monde gros gaga, on est là. Mais il a pas fait vous étonner. Vous ne rendez pas compte que Moïra est venue ici là, tout gaga? Mais pourquoi ça m'étonne? Pour quelle raison? Et par où? Tu ne devrais pas être surprise, non? C'est pas fait pour Gilbert qui prend pitié tout. C'est pas pour Moïra, t'as fait, pas vrai? Oh, mamie, c'est bon, job, ça va, pas vrai? Et pas trop fait? Attention, le bacalou. Moi aussi, j'avais cette folie. Et je l'ai payée, tu sais. Ceci, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout d'un coup tu es devenu triste? Pourquoi tu n'as pas de feu? À ton âge, tu devais l'avoir. Hein? J'avais pas assez de courage pour affronter la vie. Tu ne dois jamais te laisser piétiner. Oh, oh, oh. Ça, c'est devoir, ça, c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée. C'est devoir, ça c'est destiné. Qu'est-ce que tu as entraîné? Ça c'est destiné. Si c'est moi si vous parlez quoi, gardez nos cœurs ou ouais. Si c'est moi, où est dans la vie à mener. Depuis le cœur de cœur, depuis la machine, on va jamais dire c'est crier ou crier. Tout le monde fait pour faire petit, ok? C'est pour pas faire pour moi. S'il te plaît. Patricia, je me demande de poser un côté là. Oh, eh bien. Allez, allez. Patricia. Greg, Patricia, pas un fils de ménage. Patricia, a besoin d'un ange gardien qui a flâné avec nous. Tout le monde a pris le temps de la fin de mais c'est comme ça, la rebelle dans mon lave. Pourquoi elle a oublié qui est ce que a parlé de ça. Comment ça est, Stacy? Quoi? Attends, l'autre jour, pas de manger dans le chaud. Tout le monde là-bas, pas pesé, pas foutu jouer. Je suis pour quelque chose pour. C'est quoi ça? Dis-moi. Bon, explique. Joanne, sois pas besoin ici là. Saisis. Deux bonnes par contre, mais deux chrétiens vivants.
vont porter. Dehors! Je ne vais pas m'en faire, Samuel. Et on compte ça qui passe aujourd'hui, hein? Sois pas là avec moi correctement ou bien faire la police venir pour là. Je ne pas tout dire là pour me cacher. S'il te plaît, je tout ça. Samuel, sois à l'ouvrir pour toi ou non pas à l'ouvrir. Joanna, je tout ça, mon chéri. Tout ça, vous voulez. Joanna. C'est mon diable, là. Pas jamais de réussir encore. Ça, c'est son quoi? Son est déjà. Avec ça, brûlant, hein? Tout nous met bien. Lève-toi. J'aime tout même tout mettre comment c'est bien. Moi j'ai eu. On va aller pour quoi ça? On fait une belle tête de nettoyer. Parce que quoi, pas ma beauté. Je me suis dit, après un temps, maman m'a dit, papi. Je vais répéter ta petite mot ça. Oui, pour faire ça. Qui c'est un temps de réconciliation, de partage et de militance? Tati pral vivre pieusement. Tati pral fait pas clé normalement après toute son elle fin femme. C'était toi qui étais là. Et comment? N'était-ce pas censé venir te chercher moi le chemin quoi, madame? Tu me donnes juste quelques minutes. Je vais prendre mon sac et je suis à toi. Dépêche-toi, Olga. Il va être 3h. D'accord. Tati, même. Ah, comment vas-tu? Et toi? Ça va. Tu es très jolie. Je suis toi-même. Merci, Tati. Merci. Dis, Tati, j'avais bien besoin de toi. J'ai une question pour toi. Ah oui? Tu as des nouvelles de Olga? Oh chérie, franchement, tu es bien. Oh mon tati, merci beaucoup. J'essaie de garder la ligne, tout simplement. Comme Karine d'ailleurs. Justement, oui. Mm-hmm. Comme si tout réfléchi. Pareil pour que ça t'attire à une bonne femme. C'est pas toute femme qui remet ou l'autre avancé. Ou venez là avec madame, non? À toutes les affaires. Ou à moi, de l'an. Tout au contraire, ou fait transférer sous nous, tout le pas en haut. En fait, c'est indépendance ça. Qui fait le sentir pas qu'à mettre pieds sous cou. Ça, il va pas pardonner lui. Et puis moi, gon l'autre bagaille. Ou pensez que ta tab jambe content ou petite fille là a fait pas dans votre prince pendant ce temps que vous même ou toujours à étudier. Il pas tab jambe mon. Des trompons ma chère. Oh oh. Monsieur. Pour chantati. Ou chantati problème. Spécialement après l'enterrement, plus particulièrement l'aime de tomber malade là. Tout ça, c'est la vie, moi. Pas ça tourner, Kounian. Donc, c'est devant pour garder. Non, mais même moi, noir là, comme c'est pas grave, venez vous moi encore, non? Non, moi, là. M'bavlo dit ça. Et surtout, m'bavlo perdu la foi. C'est eux, donnez-nous à la gêne.
Alors, pour en revenir à ma question posée, tu as la nouvelle de Moïga? Elle ne répond pas sur son sel quand je l'appelle. Elle est toujours chez son amie par hasard. Mais voici Hélène, on peut partir. D'accord. Bye bye, Pat. On se parle, ok? Bye bye, Pat. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, pourquoi? J'ai entendu la fin de la phrase de Patricia, comme quoi Moïra serait chez une amie. Ah, il y a pour quelques jours. Hélène, fais attention. L'homme en jeune vie, trop liberté, fais tourner licence. Pas oublier, surtout, que Moïra papi, c'est tout. Donc, écoute pour rendre, c'est ça. Ok, vas-y. Excusez, pour ce qui s'est passé l'autre jour. Je me sens coupable et même lâche du fait que je ne peux pas empêcher Stacy de faire stupidité. De toute façon, pour rien à ça qui t'est passé, moi, je ne peux pas me la donner tout. Moi, je me rends compte que c'est moi qui mets tout dans la situation. D'ailleurs, il y a un monde qui est stupide. Pas grand, il y a fait. Non, je ne peux pas empêcher l'entrée, c'est moi qui l'ai bien fait. La seule chose que je ne connais, c'est que je m'a fait payer ça très cher. Tiens, quittez ça. C'est ça pour me quitter ça. Bon, juste mon glossaire, fais ça pour moi. Vous avez le compte de ça, madame là? J'arrive à mettre la figure. C'est celle qui va me jouer avec elle. Je sais, mais je te demande de l'oublier. Ceci, vous comprenez la situation, mais. Crier à la solution, non? Céline, je rêvais tellement d'avoir un enfant de plus quoi. Oui. Mais c'est la volonté de Dieu. Dites tout à Jésus. À l'église, priez. Vous connaissez mon docteur Baye, joue pour mourir jusqu'à présent à vivre. Ou pas qu'on ça, bon Dieu serait pour vous lui-même. Mon Dieu, FMP, ça me fait. Stess, mon Dieu, pas faut payer rien. Ok, il est trop bon pour ça. Regardez, vous pouvez aller voir l'autre gynécologue. En plus, tu as de la chance. Grégoire est gynécologue. Je vais lui en parler. D'accord? Bonne nouvelle, Jimmy, non? Toujours campé sur la même position. Mon bagaille. Le relais, c'est pour petite l'île mandée. Et la messe est approchée. Il va coucher. Oh, Céline. Le problème n'est pas fini, non? Pourquoi nous avons pire énervé dans l'histoire? C'est que Robert tente piège dans pour lui et puis lui-même l'a pentré la donne tête baissée comme un gros imbécile. Jen, j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est vrai que j'aime Céline. Malgré tout le mal qu'elle t'a fait, tu l'aimes encore? C'est incroyable. Incroyable? Mais vrai. Jimmy. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je veux que tu me donnes au moins la chance de te prouver mon amour pour toi. Jen, je t'apprécie trop pour te faire souffrir. Ça ne fait rien, je veux essayer. Jimmy, on va finir trop droit tout, non? Faut qu'on m'aille à caler jour, oui, mettre contrôle sous lui, oui. Parce que, imaginez-vous, pendant chita ou faire respect, Jimmy pour ton père si d'abord. Bon, à vrai dire, pas de problème fille avec Jimmy, non, c'est toujours Robert le problème. Ah bon? Donc, vous pensez le pape sortir avec l'autre fille dehors? Jusqu'à preuve du contraire, non. Je vais l'expliquer. Allô? Oui, maman. Non, pas dans le bureau, non? Non, ça gagne. Et où est le chauffeur, maman? D'accord. Tu ne me déranges pas. Lisa est avec toi? D'accord, j'arrive.
Madame, ça son problème, oui. Ça passe, mamie, là. Ah, il levé, il sorti, là, l'ouest en mille, le coup, il a brûlé, il va arrêter, il va arrêter, le chauffeur pour arriver. Quoi, tu fais, à faire? Oublier qui m'en est. Il voyait, chauffeur, et puis, il n'y a pas qu'à attendre. Donc, on connaît, si je ne pas aller là, il va pas tomber par là, et puis, en plus, ma fille est avec elle. Donc, ok, chérie. Ok. Écoute, comme je t'ai dit, tu te calmes, ok? Choisis gynécologue, et puis, fais-moi connaître. Ok, je suis avec toi. Ok. D'accord? On se parle, bébé. Papa. Allô? Oui, Yvette, c'est moi. Comment y est? Allô, Yvette? Parlez plus clair, je ne vais pas attendre. Qui ça? Je ne connais pas le même mal. Je connais tout le monde, c'est pour moi, sans tout bien. Malheureusement, bien pas dépend de moi. Tu as raison. Ça dépend de mon Dieu. Même pas. Et ça dépend de qui alors? De mon monde qui chita avec moi et qui pas comme doit avec le devoir. Pas de me de moi, parlez pas. Tu me dis oui. Si tu dis oui, premièrement. Ça t'a fait un plaisir en pile. Parce que c'est tout rêve moi pour moi que toi. Et deuxièmement, ça t'a fait ton âme. Parce que je dis que je sens tout bien joué. Réginald, c'est vrai que des fois j'ai peur de me laisser aller. J'ai peur de souffrir aussi. Mais je crois aussi que je ne peux pas passer toute ma vie comme ça. Donc, aujourd'hui, je décide de te dire oui. Oh! Quoi? Oui, Régis. Oui, je t'aime. Calme. Qui calme? C'est mon vieux. Oh. Mais quand on joue notre nouvelle, ça. C'est une qui fait exprès le téléphone qui dit ça. Oh, Jésus. Ok. Oh, Seigneur, ça me va le faire. Ça me va en paix. Et si j'ai mis du temps à te le dire, c'est parce que je voulais être sûre de mes sentiments pour toi. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue, je t'aime. N'est-ce pas que tu ne dis rien? Dois-je comprendre que tu ne t'intéresses plus à moi? Non, Pat. Non. Je t'aime. Mais comprends, ça fait tellement longtemps que j'attends. Et arrivé à ce moment, je pensais que c'était plus possible. Oh my God, je t'aime, Pat. Mwen si ou pa vle kwe Gade nan kè ou awe Si ou vle limye se batay Pou soti nan fè noa Ti se mwen Ou e joun la vi ap mene Et puis matin, après les mois, elle va répondre. Moïra. Allô? Chérie, comment vas-tu? Moi, personnellement, je ne sais pas, ma forme. Mais on connaît la situation Moïra bouleversée. Il n'a pas jamais mangé, il n'a pas jamais dormi. Il a plaidé, crié et ça fait incendie ça, démoralisé net. Depuis le matin, après, il est sorti pour que je rentre. Il n'a pas répondu. Ok.
Eh bien, ok, chérie. Je vais venir m'habiller. Moïra, Moïra, côté. Moïra? Soutenant pas si ça t'a dit. Vérité? Sainte? Moi, sainte? Avant, c'est dit. Comme si c'est la première fois que tu as dit mon sainte. Je te dis, ça va te faire quoi? Moi. Avant que l'on a vérité. Viens, fais un petit chita, pas vichita? Pas vichita. Pas vichita! C'est nous-mêmes, mamie, papi ou même Maxime, tout le monde qui t'a participé dans Vini Port-au-Prince. Pas de vie, Port-au-Prince, pas de vie, Kaitati. Moïra, la vie n'est pas finie. Mon Dieu, là. La vie est finie. Non, 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 non. Les papas abandonnés. Moïra, Moïra, bon Dieu, pas qu'on a des gens dans l'autre comme ça. Mais. Mon seul bagage m'a tout oublié. Ces petites filles qui ont tout, pas de rien faire sauter en papier. Donc. Oh, mamie, calme-moi, calme. Si moi j'ai un pouvoir vrai, oh non. Mon Dieu. Mon Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon Dieu. Mais t'es toujours dur, mon papa, je t'ai petite. Mais mon crime qui j'en peux faire pour me porter petit propre cousin, si vous ne voulez pas me faire pécher ça. Je vais. Dans la vie à mener, c'est épreuve que vous devez passer. Étape qui pour faire vivre. Vous connaissez? Je ne sais pas. Avant que je l'oublie, moi des Claudette nous voyons lampe parce que nous avons trop grand pour lui, monsieur le directeur. Ok? Ok. Moïra, je ne pas rappeler que je te bon autorisation de venir dans la chambre. Allez, à la console, il y a avec Dra dans le salon. Ben moi. Fais vite. Et vous-même, comment
déroulé avec ces minières là. Comment me débrouille? Ok. Sabrina est là, elle est en forme. À propos, Christelle, Cindy est rentrée, elle a besoin de la caille. Cindy, cousine-moi. Oui, elle a besoin de la caille de préférence. Et comme ou pas là, c'est pas que je ne suis pas bien avec Sabrina, non, mais. Ou pas là. Ou pas cette étape. L'étape mieux pour moi, c'est ma la caille. Cindy. Mais oui. Non, pas besoin que tout. Tout pas grave pour moi. Allô, Dimitri? C'est moi. Est-ce que je peux te voir? Ok, d'accord. Ok. Appelle à 7h, hein? Bon, je réponds quand même. Allô? Esther? Ah ouais, qui est-ce, non, jusqu'à présent? Du tout pas. Ok, je vois là maintenant. Mais ça fait longtemps que nous t'ai croisé. On connaît. Mais moi, pas fidèle. Quelqu'un fait après l'eau chaque veille comme ça, on va être sans effacer du tout. Ok, d'accord. Mais ok, je comprends, mais tiens. Bonsoir, Dimitri. J'ai un peu. Saisi? Tu en es listé en échoué? Échoué? Ça va exister dans le vocabulaire. Mais au contraire, c'est Kounia qui a battu la commencer. Achille, en tout cas, je ne compte pas défendre dans mon nom. Parce que c'est pas grave, moi-même, je vais avoir mon même bateau. Mais la seule chose, moi-même, je suis bien déterminé, je suis comme ça. Donc, d'assurer que vous-même, vous avez une détermination. Ok? Ça va bien, je vous dis. Si je dis, c'est vous qui avez un bon soudain, je n'ai aucun pouvoir économique. C'est tout simplement parce que moi, il a été campé en croix. Et je veux plus aimer le fait maximité. Donc, si je dis aujourd'hui à ma femme, je vais donner une bataille là, je vais si pas pour moi, pas pour personne. Et ma sûre, je fais comment se persécuter moi là. Quand on est comme ça, j'ai écrit un bagage là. Voilà. T'es juste besoin d'un petit temps pour être capable de faire le point avec toi. C'est pour une raison pour faire tout le monde. Même ménage. Pas fini, moi. T'es juste besoin. Déconnecter pour être capable de réfléchir mieux. Gilbert Duplan, c'est cousin, par vous. Oui. Ça passe en règle. Oh. Je ne suis pas très à l'aise ces jours-ci. Ça va. Je n'ai pas rien de particulier avec. Mais toutes les réactions, je dois. Tu as fait le point avec toi, comme tu dis. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Que j'ai dur. J'ai décidé de te laisser tomber du monde. Ah bon? Comme ça? Et puis savoir pourquoi? J'ai réalisé que j'étais pas prête vraiment. Et ce sera égoïste de ma part de te faire croire ce qui n'existe pas. Si je comprends bien, tu ne m'as jamais aimé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je suis vraiment désolée. J'étais pas sérieuse. Ouais. Pourquoi tu es comme ça? Troublée. N'insiste pas, Dimitri. S'il te tu plaît. Tu ne peux même pas soutenir mon grand-mère. Dimitri.
jeudi. C'est vrai. Mais oui, moi aussi. Ok. Ok, d'accord. Bye. Estelle, le Dimitri qu'on sauve Léa, ou même sauvera le fac Dimitri. Le temps pour le comprendre, m'a déjà bossonné. Comment faire déjà? De toute façon, je ne pas gagner, je ne défendre. Ou pas gagner, je défendre. Est-ce que tu garçon les mêmes tombés d'amour? Moi, c'est ça, m'a cherché. Ça me dit comme ça. Quoi de bien? T'as tout lié à ma loi. T'as Estelle. Équation. C'est faire d'amour, bon, ouais. Gâter, faire mourir la jeune Nabram et puis vague. En tout cas, je souhaite que tu aboutis à un bon résultat. Parce que moi-même, petit chéri, ça fait me régler net. Dis-moi, c'est pas vrai. Ça que tu as pour me faire petit, c'est mourir pour le moins, puis prendre les gens net. Non, ça faut régler. C'est comme ça, ça faut régler. En tout cas, moi-même, je souhaite que tu mettes en place pour pas faire. Ouais. Fais le bilan de la journée. C'est pas mal du tout, hein. Et t'as tes côtés pendant toute une journée. Et surtout sans personne pour me déranger. Marco, tout ça est vraiment merveilleux. Hélène, je veux partager ton lit. Je veux me réveiller auprès de toi. Je t'aime. Je veux t'épouser. Épouse-moi, ma chérie. Cassandra, qu'est-ce que tu fais? Bonne nuit, docteur. Oh, déjà? Tu ne veux pas prendre un verre avant d'aller te coucher? Non, merci. Le séminaire m'a épuisé. Mais où est le problème? On pourrait quand même s'amuser avant d'aller se coucher. D'ailleurs, il y a deux balles ce soir. Il y a Karimi Tivas et Criolla Jacob No. 1. Tu choisis? Je vais me reposer un peu, docteur. On se parle plus tard. D'accord. Je t'aime, Léa. Je veux que tu sois avec moi chaque jour. Pendant toutes les heures. Pendant toutes les minutes. Même les secondes. Marco, je le veux moi aussi. Tu sais, tu ne peux pas t'imaginer, tu entends? Tu ne peux pas t'imaginer à quel point je t'aime. Eh bien, c'est le moment ou jamais de me le prouver. Dis-moi oui, Hélène, et l'on se marie ici. Marco, Marco, on a déjà discuté du sujet, pas vrai? Je t'ai dit qu'il fallait que j'en parle d'abord aux enfants. Et toi, de ton côté, tu m'as promis d'attendre que je prenne ma décision. Cela devait être fait. D'accord. Ne t'agis pas, d'accord. N'oublie pas... Que je suis malade, c'est ça. Je le sais, Hélène, je le sais. Mon chéri, si ma réponse est négative... Alors, oublie-moi pour toujours. Quoi?
Ok, je vois. Tu me donnes ce soir pour réfléchir, ok? Et je te donne la réponse demain. Attends. Ça me passe à ce pas ça. Mais qui sort penser Gilbert? Oh! Ou quoi que Kazuda a couché avec patron là? Oh Gilbert, quelle idée! Pourquoi tu peux pas faire chose à vous? Pourquoi ça va aller ça ou non? Par contre, je trouve un petit champ poche. Et j'ai l'impression que Kazuda a un bagage à cacher. Gilbert, papa ça va aller ça ou tout, tout, ok? La meilleure chose à faire, c'est pour parler ensemble avec elle. En plus, je ne crois pas que Kazuda a été genre de fille qui a fait bailler ça ou. Pas le penser ça, là. Que des bagages au monde parfait. C'est pas juste pas en position pour le faire, lui. Alors tu n'as pas confiance en elle? Je croyais que vous aimiez. Ça ne va pas? Oui, mais comme si. Comme si qui ça? On a assez travaillé aujourd'hui. Docteur Molu. Cassandra. J'ai sommeil. Je voudrais vraiment. Cassandra. Tu as sommeil ou tu veux fuir la réalité? Mais c'est quoi la réalité d'après vous? J'ai envie de te laisser aller et de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Veux-tu m'amener à l'hôtel s'il te plaît? Ok, mais demain je te fais visiter la côte. Gilbert, ne pense pas à ces choses, ok? La meilleure chose d'après moi... Leila. Est-ce que tu connais que Cassandra a dormi côté des arcades avec le patron là? Vraiment? Ok. Bon, ça c'est une autre histoire. N'est-ce pas que Marco n'est pas revenu? Il doit être vraiment fâché. Hein? En ce cas, je crois qu'il vaut mieux que j'aille le rejoindre. C'est ça. Docteur Manlui, nous étions ici pour travailler ou pour nous amuser? Disons, un peu des deux. Pour travailler la nuit. C'est ça. Moi, que va me souffrir.